paraît que vous n'êtes pas très fort en pâtisserie dans l'Arnold. Ça, c'est pas vrai. Ah bon? On fait beaucoup de pâtisserie, des petites bombes caloriques avec beaucoup de concentration de goût, de saveur. Ça ressemble un peu à la pâtisserie orientale. Et qu'est-ce que tu nous proposes là? Ah ben voilà. Quelque chose qui a ses racines dans les pays de Moyen-Orient. Ça s'appelle un halva au semoule. Eh bien, on y va, tu me mens. À l'indienne. Allez, on y va? Voilà, on va prendre 6 gousses de cardamome. C'est précis, hein? Oui. Ok. On les aplatit. Comme ça, là? Voilà. Ok. Et ils vont s'ouvrir. Et on récupère. Voilà. Vraiment la graine, c'est ce qui est parfumé. Voilà, on va les écraser. On va faire une poudre. Il faut de la force, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est fait. C'est super bon. Ce fameux ghee, là, qui est un beurre clarifié, qui va permettre de chauffer la préparation. Tu mets... une bonne cuillère à soupe. Et ça fond, on voit tout de suite. On va ajouter la semoule qu'on va torréfier dans le beurre. Comme un risotto. Comme un risotto. Alors, dès que les grains deviennent translucides, mm-hmm. on va ajouter les graines de cardamome. Ok. Je l'ai. Un peu d'eau. Un peu comme un gâteau de semoule, hein. C'est exactement ça. Et une cuillère à café de l'eau de rose. D'accord. Et on va ajouter du sucre. Bien évidemment. Une petite dose de sucre. Oui. Léger, léger. Bah, sinon, c'est pas un dessert. Hein. C'est clair. OK. On va mélanger. D'accord. On va porter à ébullition pendant 4-5 minutes. Et on va attendre que tout soit absorbé. Voilà. Enfin, on rajoute quelques amandes pour les oméga 3 et aussi pour le régime, hein, ce qui est important. Voilà. Il aura une consistance un petit peu épaisse. Hein. Oui. Et en refroidissant, ça va devenir un peu plus épais. Beaucoup plus épais. Oui. On va mettre ça dans des petits bols. Et puis le suprême classe, c'est... la feuille d'argent. Petite feuille d'argent dessus, là, c'est quand même chic. Un petit dessert, un rien bourratif, mais alors qu'est-ce que c'est bon. Oui, mais on peut manger en petite quantité. Puis avec une petite salade de fruits, ça peut être sympa. Très bien, avec une glace aussi. On y va.